Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Ganbe. Nous allons parler de Corée, mais de quoi ? La dernière fois, nous avions picoré dans nos souvenirs de voyage, et en ce mois de Saint-Valentin, à deux pas du printemps, on s'est dit que peut-être l'amour allait être le sujet que nous allions aborder. Bonjour Herculéa, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour Lexine, ça va très bien, merci beaucoup. Bien, aujourd'hui nous allons parler d'amour. Herculéa, de quoi veux-tu parler pour commencer ? Alors, moi j'ai un sujet chouchou pour ce mois de l'amour. J'ai décidé de parler des fringues de couple. Est-ce que tu vois un petit peu de ce que je veux parler, Lexine ? Tu m'en as montré quelques-uns du doigt pendant le voyage. Alors, pour les deux, trois qui sont au fond et qui ne comprennent pas du tout de quoi on veut parler, en Corée, il est hyper, hyper bien vu de porter le même t-shirt, la même paire de baskets ou le même sweat quand on est en couple. Comme s'embrasser en public, c'est hyper mal vu et que, de manière générale, ils sont assez discrets, au max, ils se tiennent la main en public. Le style vestimentaire étant hyper, hyper important pour les jeunes Coréens, forcément, ce mélange, c'est devenu les fringues de couple. Donc, comme disait Lexine, j'en ai vu plusieurs pendant le voyage qui arboraient les mêmes t-shirts, les mêmes paires de chaussettes ou de chaussures hyper rares à trouver, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment rigolo à noter le couple look ou le look de couple. En fonction de la saison, ils proposent même des maillots de bain, des combinaisons de surf. Quand j'ai fait mes petites recherches pour cette petite encartade au pays de la Corée, j'ai trouvé des choses vraiment, vraiment marrantes. Il n'y a pas vraiment de chiffres, hein, je pense, mais c'est hyper populaire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Lexine, mais vraiment, on en a vu beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui étaient en couple, on les voyait parce qu'ils ont ce petit côté mignon, se tient la main, enfin discrètement, se tient la main comme des personnages de shoujo. Et c'est vrai que ils avaient toujours un petit truc, une petite veste, un petit accessoire en commun au moins. C'est vrai que c'était rigolo et très mignon à regarder. Le petit avantage que ça peut faire, c'est que pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes un peu jaloux, et tout de suite, quand tu te balades avec ton mec et que vous portez le même t-shirt rigolo avec des rayures, forcément, ça indique à toutes les autres nanas ou tous les autres garçons de la rue qu'il est pris et qu'il est à toi. Je trouve ça extrêmement mignon, mais c'est dommage, ça se voyait même un petit peu sur les couples plus âgés aussi. C'est chose qu'on voit pas du tout ici, à part à Disney. À Disney, il y a les oreilles Mickey, les oreilles Minnie, et après, sorti de là, un couple est bien assorti, mais pas assorti. Oui, mais c'est vrai qu'en Corée, comme on l'a vu et on en a un petit peu parlé dans notre précédent épisode, ils ont un attrait très particulier pour les vêtements et surtout pour la mode. En ce moment, c'est le streetwear, mais bon, je les vois très bien essayer plein de choses différentes. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance de voir ça chez les jeunes et les moins jeunes. C'est vrai que chez les personnes un petit peu plus âgées, c'est un petit peu plus discret. On va pas arborer le même sweat, mais ça va être la même petite paire de baskets ou de chaussettes mises par-dessus le pantalon. Enfin, c'est des trucs un peu rigolos comme ça, mais c'est quand même plus discret. Après, c'est normal qu'avec l'âge, comme chez nous, les mentalités changent. Ils se roulent pas des patins dans la rue. Mais effectivement, les couples sont plus établi, donc il y a moins ce besoin peut-être de se montrer. Encore. Il y a moins ce besoin de se montrer, mais au contraire, il y a plus de fêtes pour se montrer quand il y a des petites choses amoureuses, etc. Et je crois que c'est ce qui va suivre avec ta petite chronique, Lexine, sur les fêtes commerciales de l'amour ou non, d'ailleurs. C'est terrible parce qu'en fait, je me suis dit, oh, en Corée, ils ont comme au Japon, la Saint-Valentin, le 14 février, où les femmes offrent des chocolats aux gens qu'elles apprécient, et des chocolats bien plus jolis et en forme de cœur aux garçons de leur rêve. Et le White Day, le 14 mars, les garçons offrent du chocolat blanc aux filles. Ça, c'est assez connu, on le voit dans beaucoup de mangas, tout ça. Donc en Corée, c'est la même chose. Et bien, en fait, le chiffre 14 a un impact encore supérieur en Corée. C'est le chiffre de l'amour. C'est vraiment un chiffre. Parce qu'après, ça continue. On a le 14 avril. Bon, c'est le jour des de la Saint-Valentin des célibataires, un peu. C'est le Black Day. Pas de réduction ce jour-là, mais on mange des nouilles noires, le jajangmyeon, entre célibataires, et on fait la fête. Mais ensuite vient
Le 14 mai. Le 14 mai, c'est le jour des roses. Voilà, où on s'offre des fleurs. Et puis, il y a le jour des bisous. Le jour argenté. Voilà, où on s'offre des trucs en argent. Le 14 août, le jour vert. C'est un peu comme la Saint-Patrick, mais vert parce que les bouteilles de Sojon sont vertes. Mais ça ne s'arrête pas là. Le 14 septembre, on sort les sticks à selfie. C'est le jour des photos. Le 14 octobre, le jour du vin. Et le 14 novembre, le jour des films. 14 décembre, le jour des câlins. On a raté ça quand même, on est parti un petit peu trop tôt. Mais... Et le 14 janvier, ça, ce serait notre jour. Vraiment, c'est le jour où ils s'offrent des agendas. Voilà. Afin de commencer l'année, de pouvoir noter tous leurs 14, en fait, dedans, j'ai l'impression. Mais voilà, toutes ces fêtes, en fait, permettent déjà tous les mois d'avoir un petit repère entre couples, ou pas, hein, le 14 avril, c'est pour les non-couples. Mais il y a aussi un petit événement que nous, on a pu voir sans savoir ce que c'était. C'est-à-dire, quand on est arrivé en Corée, on est arrivé le 11 novembre. Eh bien, le 11 novembre, c'est également une fête des amoureux depuis 83. Et pour le coup, c'est une fête très commerciale, créée par Lotte, pour promouvoir leur pépéro, l'équivalent des Mikado ou des Poki. Je sais pas, tu dois te souvenir de ces énormes paquets de Poki, là, qui étaient avec un packaging très, très accueillant, avec des nœuds kilo, et tout ça. Le kilo voilà. De pépéro. Je me suis dit, oh, c'est rigolo, pourquoi donc c'est... Ils aiment vraiment les pépéros. Pas du tout, c'est parce qu'en fait, le 11 novembre, c'est le pépéro day, en fait, le jour de pépéro. Pourquoi ? Parce que tous ces 1, ça donne l'illusion un petit peu d'un bouquet de pépéro. Voilà, et ça m'a beaucoup fait sourire, sachant que aussi Noël, c'est un jour des amoureux, finalement. Quand tu es en couple là-bas, tu as beaucoup d'occasions. Vraiment, quand j'ai vu ça, je n'arrêtais pas de trouver toujours plus de dates, toujours plus de raisons de se faire des câlins en décembre, d'aller voir un film. C'est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors moi, je trouve ça magique. Déjà, moi, j'ai aimé beaucoup la tradition qu'on connaît peut-être un petit peu plus quand on s'intéresse aux cultures asiatiques et plus particulièrement au Japon. Le mélange entre le 14 février et le 14 mars où l'un, c'est la fille qui offre, l'autre, c'est le garçon qui offre et où c'est très codifié et il faut faire ses chocolats maison, etc. Je trouve qu'en France, il n'y a pas du tout trop... Enfin, il y a des grosses promotions pour la Saint-Valentin ou des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment ce petit truc hyper commercial, hyper codifié qu'il peut y avoir dans les pays asiatiques. Et c'est vrai que moi, je trouve ça trop drôle. Enfin, genre qu'il y ait à chaque mois sa fête un petit peu commerciale pour vous proposer d'aller au cinéma ou de vous faire des câlins devant des magasins pour gagner des points fidélité ou je sais pas quoi, c'est incroyable, hein. Mais ça montre bien l'esprit coréen qui est, en gros, à tout moment, on peut gagner de l'argent. Donc, allons-y, on va proposer des fêtes pour gagner des sous, pour se partager des bouts de Mikado. Et c'est vraiment trop drôle, je trouve. Ouais, c'est vrai que je trouve ça très mignon. En plus, enfin, il y a le jour des fleurs, donc, qui est le 14 mai. Et c'est vrai qu'il me semble que toi, les fleurs, c'est un petit peu ton dada. Ah non, mais moi, je suis une fille à fleurs. Je vous avoue que j'adore ça. Si vous me connaissez un petit peu ou pas, mais en gros, je fais beaucoup de trucs en papier et tout ça, et je m'arrange toujours pour y coller 2-3 bouts de fleurs, faire des dessins de fleurs ou gribouiller dans ma marge. Quand j'ai un coup de fil à passer, je gribouille des petites fleurs, des pâquerettes, etc. Et en Corée, on s'est rendu compte qu'il y avait des super jolies petites fleuristes de fleurs séchées. C'est hyper populaire. On en voit beaucoup aussi si vous regardez un petit peu des films ou des dramas coréens, des choses comme ça, ou même dans les publicités. Souvent, il y a beaucoup de garçons qui offrent des petits bouquets de fleurs. Alors, c'est pas spécialement pour l'amour ou quoi, mais bon, ça en fait partie. Pas forcément l'amour avec un grand A, avec l'élu de son cœur, mais ça peut être pour sa maman ou pour sa mamie, peu importe, tout le monde s'offre des fleurs, j'ai l'impression. Et c'est en fait, en faisant mes recherches, parce que je me demandais pourquoi il y avait des fleuristes, on a vu beaucoup de fleuristes de fleurs séchées, mais au final, je me souviens pas énormément d'avoir vu des fleuristes de fleurs naturelles. Enfin, on a vu des cafés incroyables avec une jungle de roses à l'intérieur, mais par contre, des fleuristes, on n'en a pas vu. Enfin, je sais pas si toi, t'en as vu. Non. Pas spécialement. Enfin, on en a peut-être vu 2-3, mais alors que des fleurs séchées, j'ai l'impression qu'on en a vu beaucoup plus. Et au final, je me suis rendu compte que... En faisant mes recherches sur ces fameuses fleurs séchées, je me suis rendu compte que c'était un art traditionnel coréen. Lexine,
Moi qui ai une prononciation absolument affreuse, peux-tu donner la vraie prononciation de fleurs séchées à la coréenne, s'il te plaît? Apoa kongye. Enfin, je pense. Merci beaucoup. Heureusement que tu es là parce que moi, ça se serait transformé en apoa kongye. Et puis voilà, avec mon bon accent normand en arrière-plan. Donc cet art traditionnel coréen est très très populaire et je ne sais pas si tu te souviens, quand nous faisions nos petits achats souvenirs, etc., on a acheté des éventails avec des fleurs séchées, il y avait aussi des marque-pages, il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça. Plus que juste les fleurs séchées, en fait, c'est vraiment l'art des fleurs pressées qui sont premièrement séchées, une grosse étape parce qu'elles sont magnifiques. Ils ont différentes étapes de conservation des fleurs, des couleurs, etc., que je ne vais pas détailler parce que moi-même, je ne suis pas spécialiste. Et ensuite, il y a énormément de petites boutiques, de personnes qui font ça artisanalement, qui proposent de mettre ces petites fleurs typiques de certaines régions ou de certains coins de la Corée sur des objets traditionnels comme les éventails, qui font des petits porte-clés, des petites choses comme ça, c'est adorable. Ça peut être mis dans des feuilles plastiques ou dans de la résine par exemple pour les conserver ou les porter en bijoux, et je trouve ça adorable, je trouve ça très mignon. J'en parle là parce que c'est l'amour et que pour moi les fleurs c'est trop chouette comme petit cadeau. Mais si vous voulez vous y renseigner, c'est très très joli. En faisant mes recherches, j'ai vu que certains les mettaient sur leur papier à lettres pour ensuite en faire tout simplement des petites lettres d'amour et tout ça. Enfin, je trouve ça incroyable et connaissant le côté peut-être un petit peu cucu qu'il peut y avoir, faut le dire quand même, chez certaines coréennes ou dans les clichés montrés dans les dramas, et moi franchement je fonds pour ces petites choses-là. Je sais pas ce que t'en penses, Lexine, il me semble que tu avais acheté aussi un éventail avec des petites fleurs séchées comme ça. Oui, c'était pour un cadeau. Par contre, c'est vrai que là, l'idée d'avoir du papier à lettres avec des petites fleurs séchées, franchement, ça me donne envie de trouver quelqu'un à qui envoyer du courrier juste pour envoyer du beau courrier avec des fleurs séchées. Là, c'est compliqué à trouver. Je suis pas très forte pour faire des herbiers, mais franchement, ça donne envie. C'est quelque chose qui doit être encore plus perso comme lettre. T'envoies carrément. Dites-le avec des fleurs. Même pour faire des petites choses, enfin vraiment je trouve ça hyper mignon, je me suis dit que j'allais essayer de bidouiller ça un petit peu, si j'arrive à faire quelque chose, je vous montrerai ça sur le Twitter de Gonbei, et puis vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement c'est trop mignon, je mettrai en lien la petite recette des fleurs séchées à la coréenne dans la description du podcast. Des fleurs, c'est un bon petit cadeau à offrir pour un rendez-vous. Qu'en penses-tu, Lexine ? N'est-ce pas que tu vas nous parler de date ? Effectivement. Après, j'ai fait des recherches, mais un date, c'est quand même assez perso. Un date, ça peut être tout simplement, si on n'a pas trop envie de réfléchir à Séoul, on en a déjà parlé, on va dans un méga centre commercial, il y a tout. Le petit café pour grignoter une adorable petite pâtisserie, des aquariums, des cinémas, des bornes de jeux, des restaurants, il y a tout. Après, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que ça allait être, mon date, mon rendez-vous galant idéal, si je devais en avoir un à Séoul. Alors honnêtement déjà, ça, on va pas au resto, parce que j'ai peur d'avoir mal au ventre. C'est bête, hein, mais de manger quelque chose au feu, j'ai peur que ça me... Donc non, on irait dans un petit coffee shop, très instagrammable en plus, pour apprendre à connaître voilà Jean-Michel Rancard, lui proposer de passer l'après-midi ensemble. Et après, comme pour les filles qui ont peut-être pas trop confiance en elles ou ce qu'elles disent, aller dans une salle d'arcade. Il y a tellement de bruit, vous pouvez dire n'importe quoi, il se rendra même pas compte. Vous pouvez même, si vous avez dit un truc gênant, nier l'avoir dit, vous voyez. Quoi ? Non, je disais, on se fait un Tekken. Voilà, comme ça, la soirée se passe bien. Et puis après, vous pouvez aller dans un karaoké, hein, si vous voulez, ou... Voilà, la soirée peut très, très, très bien se passer. Moi, c'était ma vision du premier date idéal, pas trop gênant, et qu'on peut raconter avec un certain plaisir, finalement. Après, je ne sais pas pour toi ce que pourrait être un date sympathique dans Séoul ou en Corée en général, de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu ferais ? Mon date idéal en Corée. Je pense qu'on commencerait tranquillement notre petit date par aller voir... Je pense à un petit film tranquillement en prenant plein de pop-corn parce que franchement c'est le bon moyen de commencer à se rapprocher en douceur, on va dire. Surtout que si l'autre n'est pas du tout intéressé, hop, tu peux t'en aller discrètement à la séance. Après, je pense que
Comme toi, un petit café, franchement, ça serait hyper mignon, surtout qu'il y en a avec 50 000 thématiques. Enfin, franchement, tout est tellement mignon et les cafés, j'ai l'impression, c'est vraiment la folie. Il y en a à tous les coins de rue avec des choses vraiment rigolotes, etc. Genre que j'ai même vu qu'il y avait des Lego cafés où tu pouvais t'asseoir, boire ton café et puis faire des petites constructions en Lego. Enfin, vraiment, ils ne savent plus quoi inventer comme thématique. Sinon, ouais, je ne sais pas trop. Je pense que l'idée de l'arcade est pas mal, sachant que quand on a fait un petit tour dans une arcade, on a perdu chacune deux tympans. Donc, oui, j'aimerais bien faire ça comme date. Un petit cinéma, un petit café, et puis si ça se passe bien, une arcade, ou au contraire, si ça ne se passe pas bien, comme ça, au moins, je n'aurais pas perdu ma soirée. C'est vrai que ça, au moins l'avantage, c'est que comme il y a beaucoup de choses pour s'amuser là-bas, on peut se dire, au pire, on se sépare et chacun va faire son petit truc dans son coin. Malgré tout, c'est vrai que j'ai une petite mauvaise nouvelle. L'an dernier, à cause de la hausse des loyers, tout a pris un petit coup dans l'aile. Le cinéma, tout ça a augmenté d'en moyenne 1000 won, ce qui fait un peu moins d'un euro. Donc, ce qui me rend un petit peu triste pour toutes ces fêtes de couple qui se sont pris un coup dans l'aile. Nous, ça va, on a pris des dates qui coûtaient pas très cher, donc emmenez-nous, ça va aller. Voilà. Après, c'est vrai que malgré tout, nous, on a mis nos petits dates idéales, mais je crois qu'il y a un peu des dates, comment dire, pas On peut clichés, dire mais... cliché, Lexine, on peut dire cliché. Quand on parle de date, forcément, on a peut-être, si vous connaissez, hein, évidemment, on a des idées de date ou de drama incroyables qui se passent toujours de manière n'importe comment. Donc, je me suis réservé la liste des faits divers de date ou de drama incroyables qui n'arrivent évidemment que dans les dramas coréens. Donc, tout d'abord, vous avez le blocage dans l'ascenseur. Alors ça, c'est un grand classique, c'est comme le coup de la panne en voiture. On peut voir des fois des jeunes femmes se rendre à un date. Alors tout d'abord, elles font patienter leur partenaire car elles hésitent, car c'est un mauvais garçon ou car il n'est pas fait pour elles. Du coup, elles se disent « Non, mais je ne veux pas y aller, je vais le laisser attendre. Oh non, il pleut, je vais le laisser attendre encore. Oh non, ça fait déjà 4 heures qu'il attend. Bon, je vais voir s'il m'a attendu car il pleut vraiment beaucoup. » Et au final, évidemment, on se retrouve sous la pluie à courir pour retourner chercher le garçon qui nous attend patiemment, tel un preux chevalier. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, une fille me dit de l'attendre au milieu d'une place, elle n'arrive pas, et ça fait 3 heures que je l'attends. S'il se met à pleuvoir, forcément, je suis partie au bout de, je sais pas, 1 heure, surtout si elle ne répond à aucun de mes coups de fil, aucun de mes SMS. Mais non, dans les dramas coréens, le garçon attend sous la pluie, se recroqueville en PLS et l'attend patiemment. Clairement, premier point, plutôt mauvais date sur 20. Ensuite, il est vrai que, comme je disais, le coup de la panne dans l'ascenseur, suite à ce date un peu pourri, on veut aller se réchauffer dans un café ou regarder une jolie vue en haut d'un immeuble. Comment faire? Eh bien, il faut prendre un ascenseur. Il y a des ascenseurs partout en Corée. Vous pouvez même prendre l'ascenseur pour monter 3 marches. C'est incroyable. Donc, dans ce pays vraiment révolutionnaire où tout est possible, surtout avec des ascenseurs équipés évidemment d'interphones au cas où il y aurait un problème, le jeune couple de drama coréen se retrouvera complètement bloqué au bout de 3 secondes dans l'ascenseur. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à ouvrir la porte, clairement, ils seraient en face de la porte qu'ils viennent d'ouvrir. C'est ridicule. Il a même pas encore commencé à monter, cet ascenseur. Mais comme c'est romantique de se retrouver cloîtré dans un espace clos avec un garçon un peu bizarre que tu connais depuis environ 2 épisodes, ah là là, le date de drama, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Évidemment, l'interphone ne va pas fonctionner et tu vas te retrouver coincé toute la nuit dans cet ascenseur. Ah, quel le hasard difficile. Évidemment, il y aura du rapprochement puisque à vous deux, vous serez frigorifiés. Le garçon que tu as fait patienter sous la pluie chopera carrément un problème au poumon. Il va se choper une infection. Il va crever si tu ne lui prêtes pas ton petit manteau. Donc toi, tu vas te congeler. Vous allez vous serrer tel des hamsters dans le fond d'une cage. Ah, les dettes à la coréenne, ça donne vraiment, vraiment envie. Si tout se passe bien, au bout de quelques jours, le garçon qui s'est attaché à vous d'une certaine manière, parce que quand même, vous l'avez aidé. Vous invitera une petite balade à la piscine ou au bord de la mer. Vous manquerez de vous noyer, alors il y aura un petit bouche à bouche. Franchement, quoi de plus normal, j'ai envie de dire, à qui ce n'est pas arrivé?
Les dates à la drama, c'est vraiment incroyable. Hein. Entre ça et puis la vue en haut d'un immeuble du riche propriétaire qui donne sur tout Séoul, franchement, j'ai envie de dire, que demande le peuple quand une femme peut avoir tout ça, évidemment qu'elle va vous tomber dans les bras ou tomber du haut de l'immeuble, on sait jamais avec les dramas coréens. Lexine, as-tu des exemples ou as-tu reconnu peut-être des morceaux de ce que je te racontais? Ce qui est terrible, c'est que du coup, pour moi, l'exemple du date à la con, il vient du même drama. Hein. N'hésitez pas à nous dire si vous avez deviné de quoi on parle. On va vous faire une petite devinette. Il y aura la réponse, on va dire, dans une semaine sur notre Twitter. Si on n'oublie pas trop, n'hésitez pas à nous le rappeler. Évidemment, donc un autre date dans le même principe. Hein. La jeune femme, la jeune fille, finalement, se promène et soudain, elle se fait kidnapper. Ça arrive couramment. On marche dans la rue, on se retrouve dans une limousine avec un sac en papier sur la tête et elle se retrouve à se faire relooker de la tête aux pieds par, je ne sais pas, une sorte de Christina Cordula coréenne qui serait arrivée là comme par enchantement, qui la recouvre de paillettes, lui coupe les cheveux, enfin, la totale. Et en fait, c'était Jean-Michel Rancard qui était là. Bonjour! Ah, maintenant tu es beaucoup mieux, nous pouvons sortir ensemble. Ah ben, voilà, tu es ma petite amie maintenant que tu es belle. Ce sont des choses, c'est une façon comme une autre finalement d'aborder la fille de ses rêves. Bon, je ne recommande pas particulièrement. Hein. C'est peut-être pas forcément... Je pense qu'il faut laisser au drama coréen la folie de leur rancard, mais franchement, ne tentez pas le kidnapping pour le relooking. En plus, ça pourrait froisser la jeune demoiselle ou le jeune homme que vous essayez de draguer. Parce que quand même, il y a toute une phase de déshabillage, réhabillage qui peut être assez traumatisante. Non, vraiment, ne le faites jamais. Voilà, c'est comme la pneumonie. Voilà, si vous restez plus de 10 minutes sous la pluie et que vous n'êtes pas habillé pour la pluie, que vous n'avez pas un joli parapluie de Cherbourg, vous arrêtez. Vous rentrez chez vous, ce n'est pas grave. Au pire, elle vous appellera et elle vous dira « Mais où es-tu ?» Mais la pneumonie, ça n'en vaut jamais la peine. Non, mais comme on l'a dit en plus dans les petits passages précédents, il y a des cafés partout en Corée. Ne vous inquiétez pas. S'il pleut à mort et que, au pire, vous attendez votre dulciné qui tarde un peu à venir, bah, vous avez juste à traverser la rue, comme dirait Macron, et à vous trouver un petit café où vous asseoir tranquillement et manger une part de gâteau. Voilà. En plus, vous pouvez faire croire que votre date s'est bien passé. Vous prenez en photo la pâtisserie, ça vous prendra un quart d'heure. Donc, vous choisissez un petit truc sympa. Vous avez plus de followers sur Instagram et vous avez tout gagné. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas gagné une pneumonie. Vous n'avez pas perdu votre après-midi aussi. Là, comme ça, tout de suite, j'ai pas forcément de dates catastrophiques qui me reviennent en mémoire dans des dramas. Bah, c'est un petit peu toujours la même chose. Il y en a un qui vient, l'autre qui vient pas. Amnésie, immeuble, ascenseur. Voilà, c'est noyade. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils risquent leur vie pendant qu'ils... Franchement, quand on voit les dramas coréens, on se dit que c'est vraiment compliqué d'être amoureux. Oui, c'est très compliqué. Au propre comme au figuré. Franchement, moi, si le garçon que j'essaye de draguer devient amnésique du jour au lendemain ou qu'à chaque fois qu'on a un rendez-vous, on manque de mourir pour diverses raisons, ça va devenir un petit peu compliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de date un peu à la drama coréen... Tu voulais nous parler aussi de couples de drama, Alexine. Oui, je voulais parler de trois couples qui m'avaient marqué. Hein. Après, c'est trois dramas avec des mécaniques très différentes au niveau des couples et qui fonctionnent assez bien quand même. J'ai pas été prendre justement des dramas où ils se kidnappaient et tout ça. C'était un peu. Par exemple, il y a le drama, le premier dont je parlais, c'est The Time We Were Not in Love. L'époque où nous n'étions pas amoureux. Voilà, en fait. Choi Won, c'est un peu le mec parfait. Il est beau, il est intelligent, il travaille, il est steward. Vraiment, il a la cote. Et il a son amie Ohana, interprétée par Ha Ji Won. Et ça, c'est très important parce que ça donne un côté qualitatif à ce drama encore plus. Et ils ont été super amis. Ça fait 20 ans qu'ils sont amis. Depuis des années et des années. Ils ont 34 ans, bientôt 35. Ils disent, faut qu'on soit mariés avant. Un peu à la Friends. Si on n'est pas marié à 30 ans, eh bien on se mariera entre nous. Voilà, un petit peu ça. Et en fait, on se rend compte évidemment qu'ils sont amoureux. Hein, ça, c'est limite écrit dans le titre. Et c'est génial parce qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Et même si ils sont amis, un peu amoureux, même s'ils ne se rendent pas encore compte. Et ça, c'est beau. Moi, j'aime bien les gens qui prennent soin l'un de l'autre. Et à aucun moment,
à aucun moment ils se font la guerre, vraiment. C'est chacun peut pas supporter les petits, le petit copain, la petite copine de l'autre. Enfin, forcément, ils sont jamais assez bien, mais il y a toujours une bienveillance et une certaine quand même logique, voilà, dans leurs interactions, qui rend le drama un peu crédible, même si ça reste un drama. Le deuxième dont je voulais parler, c'est It's Okay That's Love. C'est OK, c'est l'amour. Deux personnages, Jung Jae-yeol, un écrivain, et une psychiatre, Ji-Hye-soo, se rencontrent. Et en fait, ils se retrouvent dans un talk show, ils peuvent pas se supporter. C'est un petit peu le côté « je te déteste, mais je t'aime ». Et au final, ils finissent par se découvrir. Et Jung Jae-yeol, en fait, il a un problème psychiatrique. Et du coup, Ji-Hye-soo, en tant que psychiatre, ça fait un petit peu un conflit d'intérêts avec son travail. Elle veut son bien, elle veut pas qu'il soit interné, etc. C'est très très compliqué ce qui se passe dans la tête de tous les deux. Ils ont tous les deux beaucoup de questionnements et je trouve ça vraiment chouette qu'un drama déjà aborde la question de la santé mentale avec d'autres personnages autistes, etc. Donc ils abordent vraiment le problème de pas être neurotypique dans une société. Là pour le coup c'est la société coréenne. Et comment ils tombent amoureux, etc. Alors après, c'est un sujet un petit peu compliqué à aborder, mais je trouve que ça a été fait avec beaucoup de bienveillance, pour une fois, pas comme dans d'autres dramas, et je trouvais que ça réchauffait le cœur déjà, parce que c'est un couple, ils s'aiment très fort. Voilà, et le troisième, malheureusement, le pitch de base, c'est l'amnésie, je suis désolée, hein, on peut pas y échapper. Pour ceux qui n'en peuvent plus des amnésies, ne le regardez juste pas, hein. Il y a un personnage qui est amnésique dès le départ, c'est Louis, il s'appelle vraiment Louis. Et c'est un mec qui est obsédé par le shopping et qui est très riche, hein. Rich man, poor woman, le classique, et qui devient sans domicile fixe, parce qu'il est amnésique, donc il se souvient plus qu'il est riche, il se souvient plus qui il est. Et là, il rencontre une nana, Kobok Chil, qui, elle, franchement, elle vivait à la campagne dans rien du tout, et quand sa grand-mère décède, elle se retrouve en ville, et elle le rencontre, et elle prend soin de lui. Elle prend soin de lui, en fait. Il se souvient pas qui il est perdu, il sait rien faire, et elle prend soin de lui. Et c'est beau, parce qu'on se doute bien que le jour où il va retrouver la mémoire, c'est lui qui va prendre un peu soin d'elle différemment, et c'est très mignon. Parce qu'elle a pas d'argent, et lui non plus, mais ils prennent soin l'un de l'autre. Oui, bon, clairement, le point commun entre les trois, c'est que les personnages prennent soin l'un de l'autre, et ils se mettent pas sur la tête. Et je trouve ça extrêmement mignon, et ça réchauffe mon petit cœur quand j'y pense. Après, je sais pas si toi, t'as des couples, des dramas qui t'ont vraiment réchauffé le cœur quand tu les as vus, ou des couples qui t'ont marqué dans un sens ou dans l'autre. Alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé un drama qui est sorti en 2016, enfin il a été diffusé de 2016 à 2017, donc un peu old mais j'adore toujours autant, c'est Weightlifting Fairy Kim Bok-ju. Le thème du drama c'est en gros une jeune femme qui est spécialiste de l'haltérophilie, elle concourt dans tout le pays, dans toute la Corée, etc. Et parce que son papa il était déjà dans ce sport-là. Elle a un super copain qui s'appelle Jung Jun-young, qui est dans l'équipe de natation. Et en gros, ils sont comme dans une classe études sportive. Enfin, je sais pas, sport-études. Et du coup, ils sont dans les mêmes dortoirs, quoi. Enfin, forcément, elle est dans le dortoir des filles, il y a lui des garçons. Mais enfin, techniquement, ils sont dans le même lycée, quoi. Et du coup, c'est hyper, hyper mignon. Évidemment, comme dans tous les dramas, on sait qu'ils vont finir ensemble dès le premier épisode, mais on se dit, putain, comment ça va se passer? Il y a des retournements de situation. Et en fait, c'est hyper positif parce que, genre, comme elle fait de l'haltérophilie, des fois, elle doit prendre beaucoup de poids pour passer juste à la catégorie supérieure et pouvoir concourir plus facilement ou des choses comme ça. Enfin, c'est tout un truc. Et elle est pas forcément hyper à l'aise avec son corps, surtout que elle est dans la même chambre qu'une nana, je sais plus, qui fait de la gym ou un truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus du sport, mais en gros, elle est toute fine et tout, enfin, machin. Bon, évidemment, on parle de fine ou grosse à la coréenne, hein. Donc les meufs grosses font du 38, hein. Techniquement c'est incroyable, mais bon, surtout que ça reste des actrices, mais vous voyez l'idée, c'est hyper mignon, hyper positif, et j'avais adoré, ça avait été un rayon de soleil ce drama pour moi, j'avais trouvé ça adorable. Et l'actrice est magnifique, donc c'est son nom de personne, pas son nom d'actrice, mais elle s'appelle Lee Sung-kyung, et elle est vraiment trop 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 jolie, elle a une trop bonne bouille et tout, enfin trop mignonne, voilà. Donc si vous voulez aller regarder ça, moi c'est le couple qui m'a fait papillonner le cœur, c'est tout mignon et tout ça, et ça c'est le genre de drama que je regarde avec grand plaisir quand vous voulez. Oui, d'ailleurs Kim Bok-ju c'est disponible sur Netflix.
Tout comme Age of Youth, qui est une série vraiment produite par Netflix, si je ne dis pas de bêtises, et qui est dispo du coup toujours sur Netflix, qui est sortie en l'été 2016. Il y a deux saisons. Par contre, il y a eu certains changements d'actrice entre les deux saisons, alors je sais que ça peut perturber certains. Clairement, moi j'ai beaucoup aimé la saison 1, beaucoup moins la saison 2. Et en gros, c'est une coloc de 5 filles qui sont toutes occupées avec des petits boulots, qui sont étudiantes, tout ça. Et elles ont toutes des histoires à la con, des histoires d'amour mignonnes ou pas du tout. Ça apporte plein de sujets et il y a des petites romances trop mignonnes et trop vraies, en fait, je trouve, dans ce drama. Alors, je sais pas par qui c'est produit. Enfin, je sais que c'est produit par Netflix, mais je sais pas exactement... s'il y a un staff plutôt américain, plutôt coréen derrière, parce que pour moi c'est vraiment la série le bon mélange entre un drama coréen et une série à la Netflix, j'ai envie de dire. Donc là je sais pas, je sais que c'est clôturé, il y a plus d'autres saisons maintenant, il y a eu 2x12 épisodes si je dis pas de bêtises, et vraiment il y a des trucs de romance trop mignons, mais en vrai on pourrait vous proposer tous les dramas qu'on a regardés, parce qu'il y a des romances dans vraiment 99% des dramas, enfin c'est incroyable, c'est vraiment le thème premier de tous nos dramas coréens préférés. C'est parce qu'on est des filles à la vanille. Ah non, mais c'est moi, tout. Moi, franchement, j'aime bien ça. Je regarde ça avec plaisir. C'est souvent très agréable. Enfin, genre, c'est souvent des petites choses mignonnes et tout ça. Et vraiment, si vous êtes curieux et que vous voulez commencer un drama sans vous sentir trop happé par le côté très codifié de la Corée et quelque chose d'un peu plus américanisé, je vous conseille vraiment Age of Youth. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Un jour, faudra qu'on vous parle des codifications dans les dramas. Mais bon, pour le moment, du coup, on reste dans nos petits clichés, dans nos petits couples. Tu voulais peut-être nous dire peut-être deux mots sur les clichés des couples coréens? Alors, les clichés de couples coréens, donc là, on va parler de choses... j'ai lu ou écouté pas mal de témoignages sur les couples coréens et je me dis mais c'est pas possible, enfin au bout d'un moment d'accord vous êtes fan à fond de la Corée, vous avez grave envie d'y aller, vous regardez des dramas tous les soirs, vous écoutez que de la K-pop, ça ok, pas de problème. Par contre il va falloir arrêter d'imaginer que les Coréens sont tous des princes charmants et que les Coréennes sont toutes incroyables ou je sais pas quoi, enfin vraiment ça marche autant du côté des gens qui cherchent plutôt une meuf qu'un mec, mais j'en ai marre de lire partout sur internet que, en gros, les mecs sont tous chanteurs de K-pop et s'habillent tous à la pointe de la mode. Enfin, au bout d'un moment, c'est comme si nous, on défilait tous en Chanel sur le trottoir pour aller chercher sa baguette. Oh, les gars, s'il vous plaît, les clichés, c'est rigolo 5 minutes, mais il y en a, ça monte un peu trop à la tête. Alors, c'est mon coup de gueule. Attention. Non, mais c'est vrai qu'en Corée, vraiment, il y a beaucoup de gens beaux. Mais faut savoir que c'est un pays où la chirurgie esthétique, c'est genre au top. Quand on a visité un petit peu Gangnam, c'est pas pour rien, mais genre tous les 2 mètres, il y avait des cliniques. Mais genre clinique de la peau, clinique des dents, clinique des pieds, clinique de... Est-ce que vous voulez gagner 5 centimètres de bite? Je sais pas, c'est incroyable. On peut tout retoucher. C'est très accessible, je pense. Il y a beaucoup de jeunes qui s'endettent ou qui gagnent... en gros, ah, t'es à ton diplôme, c'est comme si t'avais ton bac. Bah du coup je vais t'offrir une chirurgie du nez parce que vraiment il est pas très sympa ton nez, ça te fait un visage de merde, ou alors je vais t'affiner le menton, enfin vraiment c'est horrible. Donc déjà il faut arrêter, il faut arrêter avec ça. Non, ils font pas tous de la K-pop, enfin vraiment c'est incroyable le nombre de clichés qu'on peut voir comme ça. Et c'est vrai que il y a beaucoup de problèmes je trouve vis-à-vis de ça, c'est que genre j'en ai un peu ras-le-cul sur les réseaux sociaux de voir toutes les meufs dire « Oppa, tord la rigo » en parlant de n'importe quel chanteur, alors que c'est assez personnel d'appeler un autre garçon « Oppa » par exemple, ou même une fille « Winnie » ou quoi. Enfin, c'est pas du tout... pour ceux qui connaissent pas, « Oppa », c'est quelque chose qu'on dit pas du tout comme ça à n'importe qui, qu'on se retourne dans la rue « Hey, Oppa !» ou je sais pas quoi. C'est vraiment un mot pour identifier comme son senpai au Japon, c'est la personne... Et dis-moi, Lexine, si je dis des bêtises, mais logiquement, c'est la personne qui est... dont on est assez proche et souvent qui est un petit peu plus âgée que nous ou quoi. Enfin, je pense. Hein. Laisse-moi me dire si je dis des bêtises, mais c'est pas du... C'est plus la notion... Non, c'est... Copain ou grand frère ou quelque chose comme ça d'une classe supérieure, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que tu peux dire à n'importe quel inconnu que tu croises dans la rue. Enfin, j'ai vu des vidéos sur
des occidentales qui se baladaient en Corée et qui se retournaient et puis qui faisaient des bisous, qui serraient la main ou qui prenaient la taille des mecs et tout ça. Mais au bout d'un moment, faut arrêter dans la rue. On va pas s'arrêter sur tout le monde en disant « Oh, t'es trop beau et tout, est-ce qu'on peut faire un selfie ?» ou je sais pas quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter d'idéaliser les mecs ou même les meufs en Corée parce qu'ils sont coréens. Enfin, c'est vraiment, c'est horrible. Il faut arrêter de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler n'importe qui « Oppa » et genre... de vous imaginer des fanfics érotiques très chelous dans vos têtes, ça ne m'a plus, il faut arrêter ça, pitié, arrêtez. Voilà, c'était mon coup de gueule sur les clichés des couples coréens, désolée. T'as dû passer un beau moment, toi, quand t'as fait tes recherches, hein, t'as dû voir des choses. Ah non, mais c'était horrible, j'ai vu des vidéos YouTube, j'ai vu des mecs qui se sont installés en Corée, des Américains ou des Français et tout, qui racontent des trucs horribles, enfin genre, je comprends vraiment que des fois, ils aient les chanteurs de groupes de K-pop ou quoi, ils aient un peu peur en débarquant en France ou aux États-Unis, parce que quand tu vois, enfin, vraiment, c'est Justin Bieber puissance 1000, quoi, c'est horrible. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ne vous fiez pas au drama, enfin vraiment, ça reste de la fiction, voilà. Par contre, après ce coup de gueule, je pense qu'on va pouvoir passer à nos recommandations, parce que bon, il faut voir du positif quand même. Enfin, je sais pas si tu, ce que t'as à dire toi sur mon coup de gueule, mais je pense qu'on est toutes les deux d'accord oui. De toute façon. Voilà, on vous a donné des exemples mignons, on vous a donné des trucs à faire, hein. Les fleurs séchées, c'est bien, voilà, la salle d'arcade, tout ça, ça c'est bien. Kidnapper, c'est pas bien. Appeler quelqu'un Oppa, Oni, non, on arrête. Voilà, voilà, c'est tout. On vous donne des conseils, c'est pour pas que vous finissiez en prison aussi, on est quand même plutôt sympa. Et du coup, effectivement, un petit jingle et on se retrouve pour nos recommandations. Donc, ce mois-ci, les recommandations. Alors, évidemment, je ne peux que vous recommander de manger des pépéros, hein, ou des pokis ou des mikados, mais bon, les pépéros, il faut savoir que j'en ai trouvé à Monoprix, les Almond Crush notamment. Donc, n'hésitez pas à aller checker les Monoprix, les géants, les magasins qui font un petit peu des épiceries du monde. Vous allez peut-être trouver des pépéros, et comme on l'a dit, c'est très romantique depuis 1983 grâce à Lotte. Et si j'avais une autre recommandation, tant qu'on est sur le thème des dramas, de l'amour et des clichés, on va s'enfoncer tout au fond des clichés des dramas. Je vous en conseille un dernier parce que vous allez avoir un mois entier pour regarder tout ce qu'on vous a conseillé. Et si vous êtes des binge watchers ou qu'il y en a un qui vous plaît pas, vous aurez comme ça vous aurez des choses à voir. Donc, il s'appelle The Greatest Love. Le plus merveilleux amour. C'est aussi pour ça que je voulais vous le conseiller. Le titre est appealing. Il est sorti en 2011 et dedans, il y a la même actrice que celle qui joue dans It's Okay That's Love, c'est-à-dire Gong Hyo-jin. Gong Hyo-jin, j'espère que j'écorche pas son nom, elle est considérée comme la reine des comédies romantiques. C'est la Julia Roberts coréenne, globalement. Et elle joue une ancienne membre d'un groupe de K-pop, tout se rejoint, The National Treasure Girls, et 10 ans auparavant, elle a été accusée d'avoir fait s'effondrer le groupe, donc maintenant, elle est la meuf la plus ringarde de la Corée, tout le monde se moque d'elle, elle arrive pas à faire rebondir sa carrière, elle est encore copine avec une des nanas du groupe, une autre a totalement disparu, et la quatrième la déteste, mais a fait une carrière fulgurante. Et un jour, par hasard, elle rencontre le fameux Dokojin, qui est très très célèbre, et qui a fait une carrière monstrueuse, et qui a un problème au cœur. Et il a un problème au cœur, il a toujours sur lui un de ses petits bracelets connectés qui donne les battements de son cœur. Et au bout d'un moment, il ne comprend pas pourquoi ce bracelet connecté affiche des battements aussi rapides en sa présence. Là, vous sentez un petit peu le truc. Voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire parce que du coup, c'est vraiment un drama qui part dans tous les sens. C'est drôle, c'est triste, c'est un peu tout en même temps. Si on arrive à se mettre dedans, c'est ringard à mort. C'est un drama de 2011, donc avec les codes de drama de 2011 qui étaient encore plus kitsch que les codes de drama de maintenant. Vraiment, c'est incroyable parce que ça part dans tous les sens. Est-ce que sa montre ne marche pas? Est-ce que son cœur a à nouveau un problème? Est-ce qu'en fait il est amoureux? Il ne sait pas. Et pendant ce temps-là, Ae-jung se retrouve dans une sorte de bachelor. Voilà, où à la base c'était censé être catastrophique pour elle et elle rencontre un médecin qui en fait est amoureux d'elle. C'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Vraiment, je vous le conseille si vous voulez un petit peu poser votre cerveau et assimiler beaucoup de clichés en un seul drama.
ce drama va à tous vous les donner en tant qu'affaire. Voilà, après Herculea, peut-être que tu as des petites recommandations à nous faire. Dis-nous tout. Oui, alors moi dans mes recommandations, j'ai un album de musique de K-pop qui est sorti ce mois-ci. Enfin, qui est sorti le 14 janvier techniquement, mais je vais en parler maintenant. Donc j'ai enfin pu écouter avec plus d'intention l'album Time for Us de GFriend. Donc j'avais déjà parlé, il me semble, dans ma dernière reco qui sortait et j'avais pas encore trop eu le temps de l'écouter. Donc là je l'ai vraiment écouté en long en large, c'est ma playlist du matin pour aller bosser. C'est un style moins K-pop à la mode, on va dire, je sais pas comment dire, mais... En gros, on est un peu sur de la K-pop old friends, genre on est vraiment sur un thème K-pop plus ancien, on va dire. Ils partent plus sur de la pop classique et moins des trucs hyper péchus comme on peut avoir avec les Jennie solo ou des choses comme ça. Il y a la chanson Memoria qui est très très jolie, je trouve. Le clip est magnifique. En fait, c'est la version coréenne de la chanson spéciale de leur album japonais. Et la chanson phare clippée de cet album, c'est Sunrise. Vous pouvez trouver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de représentations live. C'est très très mignon. Donc je recommande d'écouter cet album. En plus, le côté... photographique de l'album est magnifique. Enfin, vraiment, les meufs sont trop trop jolies. L'album est magnifique. Les photoshoots qui ont été faits pour les couvertures sont très très jolies. Et c'est un groupe que j'affectionne beaucoup beaucoup, donc je vous recommande d'écouter. Mais ça reste de la K-pop, donc évidemment, si vous êtes pas fan, vous n'aimerez pas GFriends. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une série qui est sur Netflix. En fait, je suis super contente parce que Netflix a acheté des droits pour 1 milliard de dramas. Donc maintenant, j'ai plus besoin d'abonnement à Viki ou les plateformes de streaming spéciales pour les dramas et je regarde tout simplement sur mon Netflix habituel. Donc j'ai regardé My ID is Gangnam Beauty. Donc ça rejoint un peu mon coup de gueule de tout à l'heure. Là, on est sur une demoiselle adorable du nom de Gang Mi-rae, qui est adorable, elle est super gentille et tout, elle est pas sûre d'elle du tout parce que là elle vient de rentrer à l'université et pendant l'été entre son lycée et l'université, elle a fait de la chirurgie esthétique. Elle s'est beaucoup fait refaire le visage parce qu'elle supportait pas son apparence et donc tout le drama tourne autour de sa chirurgie, du fait d'apprendre à s'accepter et évidemment, il y a une romance avec un garçon qui est hyper mignon et qui est super protecteur avec la nana et tout ça. Enfin, c'est très mignon, c'est sorti cet été, donc c'est tout récent. C'est sur Netflix, ça s'appelle My ID is Gangnam Beauty. Et de base, c'était un webtoon, c'est très populaire en Corée. C'est des BD qui se lisent sur téléphone dans les transports, hein. Vraiment, qui sont souvent dessinés par... un petit peu comme nos blogs BD à l'ancienne, sauf que pour eux, c'est encore hyper, hyper populaire. Et du coup, il y a 16 épisodes d'une heure environ chacun. Donc forcément, comme tout drama, ça prend du temps. Mais moi, je l'ai mangé en vraiment 3 jours. J'ai adoré. Je regardais même sur ma pause midi. Mon copain en pouvait plus. Donc je vous recommande. C'est très mignon et c'est sur Netflix. Franchement, tu donnes envie de le voir. Déjà, j'hésitais. Ah je le voyais à chaque fois passer et tout. Ah, ça fait envie. Et puis, c'est vrai que l'album aussi, j'ai pas mis les oreilles dedans. Voilà, c'est bien fini. Déjà, merci de nous avoir écoutés. Merci du fond du cœur. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Et merci à Podcut qui prend un grand, grand soin de nous. Et puis merci Herculea. Ah, merci Lexine. Je vous fais à tous des gros bisous. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Le lien sera dans la description. Sinon, écoutez, vous n'hésitez pas, si vous nous croisez sur les réseaux sociaux, à nous laisser un petit message, un petit commentaire. Vous pouvez nous noter sur iTunes, parce qu'on est sur iTunes maintenant, waouh. Vous pouvez nous noter, vous pouvez aussi télécharger l'épisode si vous voulez, ou nous mettre des petites étoiles, enfin en gros, faites ce que vous pouvez pour nous soutenir si ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous envoyer vos dernières remarques concernant l'épisode. Comme vous le savez, on débute, hein, donc forcément il y a encore des couacs et peut-être des bouts de montage pas terribles, mais on fait de notre mieux et fighting. De la fin, est-ce que tu veux pas nous teaser le prochain épisode?
Ah, je sais pas s'ils le méritent. Déjà, s'ils arrivent jusqu'ici, c'est quand même qu'ils nous ont écoutés jusqu'au bout, parce qu'on mettra ce petit audio après le générique de fin. Je sais pas. Bon, pour notre prochain épisode, on va repartir un petit peu en Corée du Sud et on va vous parler de notre voyage et surtout de comment on prépare un voyage correctement en Corée du Sud. Maintenant qu'on a fait l'aller-retour depuis la France, je peux vous dire qu'on en connaît un petit peu plus. Donc, bisous. Écoutez, je pense que vous serez contents. Gros bisous à tous.